Ça ne se dit même pas de dire à une personne, on n'a pas de poste, ni à Aulnay, ni à Poissy, ni à General Motors, avec quoi aujourd'hui ils ont fait l'alliance, ni sur l'international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Justement, ces gens-là, ils sont au 440, ils nous bouffent. Et aujourd'hui, on ne doit justement pas se laisser faire. C'est des sociétés qui sont énormes. Et le 440, c'est pas normal. Aujourd'hui, ils font des bénéfices à pas qu'on savoir en faire. Et c'est quoi? C'est qui va être touché? C'est les gens les plus bas. C'est toujours les mêmes qui sont touchés par la crise, qui sont touchés par tout. Aujourd'hui, si on les laisse faire, ils vont nous rendre en miettes. Justement, tant qu'on est encore mobilisé, qu'on a encore le courage. Et la mobilisation, c'est quelque chose d'important. C'est important. Il faut qu'on se mobilise. Aujourd'hui, il ne faut pas dire c'est pas moi. Demain, ça va être plus. Aujourd'hui, c'est M. Bailly. Demain, ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui. Ils vont continuer. Lui dire qu'on n'a pas de poste, ni à Poissy, ni à Aulnay, ni dans l'international, ça veut dire que c'est un gars, on n'a pas envie de lui donner de poste. Ça veut dire si ce qu'ils veulent, c'est aussi le licenciement sec. Et on ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas se laisser faire. Cette direction doit savoir qu'il y a des gens ici qui ont passé leur vie dans cette usine. Il y en a qui ont passé 40 ans, il y en a qui ont passé 20 ans, il y en a qui ont passé 10 ans. Et justement, et surtout qu'il y a 4 millions de chômeurs, c'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. 4 millions de chômeurs, où vous allez trouver du boulot? Surtout quand on vous a abîmé. Parce que c'est des gens qui sont abîmés qu'on a ici. Des gens qui sont donc handicapés contre le REP, ils ne sont pas rentrés handicapés contre le REP. Le jour où on les a reçus, ils étaient valides. Aujourd'hui, ils sont invalides, justement. Qui va prendre quelqu'un qui est handicapé contre le REP? Qui aujourd'hui, justement, ils se renseignent de partout, les sociétés font des CV, tout ça, vous allez trouver du boulot. Justement, il faut se mobiliser. Et la mobilisation, je peux vous dire franchement, c'est ce qui fait notre force. La force du travailleur! C'est la force du travailleur! C'est